Shalom à toi, mon frère, shalom à toi, ma sœur. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici une fois de plus devant le Seigneur pour lui chanter toute notre reconnaissance, pour lui rendre le mérite de notre adoration. Certes, nous sommes pécheurs, certes, nous sommes faibles, mais le Seigneur nous aime dans nos faiblesses. Le Seigneur nous accepte tels que nous sommes. Aujourd'hui, nous méditons sur l'évangile de ce jour. Le maître de la vigne a envoyé ses ouvriers. Ils ont travaillé et au moment où il est rentré, il a demandé à ceux-là qui lui étaient proches d'aller dans la vigne pour que ses ouvriers sachent qu'il est de retour. Mais ils ont été si ingrats, ils ont été si méchants, ils ont chassé certains, ils en ont tué d'autres. Et dans cette partie de l'évangile, on nous dit, il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier, en se disant, ils respecteront mon fils. Mais ces vignerons-là se dirent entre eux, voici l'héritier. Allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous. Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris en effet qu'il avait dit la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Seigneur Jésus, nous avons à plusieurs reprises fait comme ces vignerons. Tu nous as parlé, mais nous avons fermé notre cœur. Et en méditant également sur cette parole, ce matin, mon cœur s'est tourné vers le Seigneur, Père éternel tout-puissant. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre, mais nous l'avons rejeté. Nous l'avons méprisé et nous l'avons tué sur la croix. Il a versé son sang par amour pour nous, mais nous, nous l'avons méprisé. Nous l'avons blessé. Amour immense en mourant pour nous.
toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Je m'incline et je t'adore en esprit, en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. 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 Frères et sœurs dans le Christ, n'oublions jamais à quel prix le Christ nous a rachetés. C'est au prix de son précieux sang. C'est dans l'obéissance, c'est dans l'abandon total à Dieu que ce sang qu'il a versé soit signe de notre gloire partout où nous mettrons les pieds en ce jour. Ayons l'habitude de prendre à témoin le sang de Jésus. Ayons l'habitude de vivre plongé dans le sang de la grâce. Mon frère, Jésus t'aime. Aujourd'hui, je dis à quelqu'un, Jésus t'aime. Ne sois pas comme Judas. Ne soyons pas comme Judas. Ne soyons pas ceux-là qui tournent le dos à Jésus-Christ Sauveur. Ne soyons pas de ceux-là qui lui brisent le cœur à chaque instant. Tout ce qu'il nous demande, c'est de nous approcher de lui. Il se charge du reste. Et comment pouvons-nous nous approcher de Christ? En faisant sa sainte volonté, en respectant les 10 commandements, en nous approchant des sacrements, que ceux qui nous sont tellement accessibles sont ces deux, le sacrement de la confession et le sacrement de l'Eucharistie. Ayons l'habitude de vivre en présence du Christ pour ne pas qu'il se sente méprisé de nous. Je m'incline et je t'adore en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Jésus, tu me demandes simplement de l'accepter. Frères et sœurs, nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.